Oh, c'est risqué, hein. Ok, on va faire genre qu'on l'a. It's a trap! A few moments later. Oh! Oh! J'ai eu la triple colis piégé! Mais non! Mais non! It's a trap! Yop et Tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et j'aurais jamais cru dire cela, mais aujourd'hui on va se retrouver pour une arme complètement abusée, bien meilleure que la DMR et qui est en plus une batteuse. On va se retrouver pour la Stunner. Alors, de base, je suis pas quelqu'un qui joue énormément avec les fusils mitrailleurs. Je pense que vous savez, je joue énormément fusils d'assaut, mitraillettes et fusils tactiques. Ça dépend comment je joue tout simplement une certaine map. Mais vu que je suis en plein rush de DM Ultra, j'ai touché à la Stunner. Voilà. J'ai touché à la Stunner et j'ai pas les mots. Sincèrement, je n'ai pas les mots de cette arme-là. Elle est incroyable. Sincèrement, beaucoup trop forte. En termes de recul, elle ne bouge pas. La cadence de tir est incroyable quand on va mettre le dernier canon. Et en termes de dégâts, ça fait full dégâts. Bien plus intéressant qu'une AKU en termes de dégâts. C'est insane. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait limite la Titan de Black Ops 4, pour ceux qui s'en souviennent, qui était complètement abusée. On atteignait un certain stade incroyable de TTK. Et là, c'est exactement la même chose avec la Stunner. En réalité, cette arme-là, elle n'a qu'un seul défaut. Vraiment un seul. C'est la mobilité. C'est vrai que comparé à une AKU, okay, on va pouvoir bouger un peu plus vite, etc. Mais encore heureux d'ailleurs, parce que c'est le but d'un fusil mitrailleur. Et pour tout vous dire, je vais réaliser une double nucléaire avec cette arme-là. 66 gunstrike sans mourir. Parce que ma best class setup, c'est une dinguerie. Alors évidemment, cette fois-ci, le lobby, j'ai eu de la chance de tomber dessus. On était en plein live Twitch, d'ailleurs que je rappelle qu'on est en live à partir de 9h30 jusqu'à midi, 1h de l'après-midi, et ensuite à partir de 9h30 le soir jusqu'à minuit. Et on sait pas comment on est tombé dans ce lobby, d'accord? De base, on affrontait des tryhards, etc. C'était assez difficile de claquer juste une nucléaire et on est tombé dans un groupe de 6 contre un groupe de 6. Mais c'est vrai que le lobby était beaucoup plus simple que d'habitude. Ça, faut clairement le dire. Mais avant d'attaquer la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Chaque fois qu'on atteint un nombre de likes au-delà des 4 chiffres, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher ce gros pouce bleu et également de partager la vidéo. Donc tu connais l'objectif? Les plus de 1000 likes en 24 heures, merci infiniment à ceux qui le feront. Au niveau de la best class setup, donc on va d'abord se retrouver avec le silencieux, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez être ultra agressif et ne pas du tout jouer avec le silencieux. À ce moment-là, vous l'enlevez et vous l'utilisez pour autre chose, mais personnellement, moi j'aime bien mettre le silencieux là-dessus et je ne mets pas le silencieux agency, tout simplement parce que je vais perdre la portée des dégâts et de la vitesse de balle. Donc ça vaut clairement pas la peine sur Cold War, oubliez le silencieux agency, c'est complètement inutile. Par contre, le dernier canon, comme d'habitude, tout simplement pour avoir 10% de dégâts supplémentaires, 100% de portée des dégâts et 100% de vitesse des balles. Ça fait toute la différence, déjà que l'arme est puissante sans le canon, mais avec le canon, on passe à un cran au-dessus, très clairement. Au niveau de l'accessoire de canon, on va se retrouver pour la poignée agent de terrain. Voilà, c'est la même poignée un peu partout, c'est clairement la meilleure poignée de Cold War, donc utilisez-la, clairement, ça fait toute la différence. Au niveau du dernier, bon, bah, dernier chargeur, je pense que vous connaissez, chargeur rapide de 125 cartouches, plus de munitions, recharge plus rapide, donc c'est le plus intéressant. C'est vrai que si vous voulez pas perdre trop de temps de visée, vous pouvez mettre le troisième, c'est vrai qu'avec celui-là, il n'y a pas une énorme différence. Personnellement, j'aime bien avoir quand même 25 balles de plus, on dit pas non, surtout que le dernier canon, je rappelle, enlève des munitions, donc... Je préfère très clairement au moins avoir le dernier chargeur, comme ça, ça compense un peu le fait qu'on m'enlève des munitions. Et pour terminer, évidemment, vous connaissez revêtement élastique pour pouvoir recharger plus rapidement. C'est un must, c'est une base, cette poignée-là est beaucoup trop importante sur Call of Duty Black Ops Cold War. Le petit push à droite. Le classique. Il est où? Le fameux push à droite. Ah, au top. Ouh là. Bien joué, ok, ils sont tous dans la salle. Ok, attends. Tous dans la salle du bas. Ah, je t'ai entendu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mort. Il m'a fait oh trop non, peur. Mais. Qui a arrêté de tirer, hein? Mais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, derrière, Mittel, ça vient. Oh là 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 là.
Ah mais là... Ça va tourner hein. Escalier c'est géré. Ouais là pour le moment je sais pas du tout où ils sont là. Et sur la gauche l'escalier. Y'a un sniper. Il joue RP World. Par contre c'est incroyable, j'ai oublié à quel point on est lent avec cette stunner. Quand je joue à la KU c'est complètement différent. Bah. Par contre je sais pas si c'était une excellente idée de... Allez hop, double grenade. C'est cadeau. What? Il y en a encore un. Non, ça spawn back, ça spawn back, ça spawn back. C'était évident. Ah, il est là, il est loin, HP, escalier. Hello. Je débrouille. C'est dégueulasse comment je joue avec ma batteuse. Mais gros, je te vois derrière ta voiture là. Attends, tu peux. Il est mort. Ah, ils aiment bien passer par la piscine là. Dans le bat, dans le bat. Mort, mort. Ah là là, piscine, passer piscine. Vraiment, vraiment, la stunner, ça n'a aucun sens, sincèrement. Ça n'a mort. Aucun putain. Oh non, mais l'autre, il est... Ça repasse piscine, une nouvelle fois. Ouais. Là, c'est plus sur C, je pense. Ah, ça repasse devant. Tiens, là, ça va, où ils sont. Allez, passe piscine, merci. GG. Piscine encore une fois. Meurs un peu toi. On a un mort. Derrière, attention. Ça va arriver. GG, encore sur toi, LT. C'est mort. Ah, GG. Si vous avez la prochaine vista, je dirais pas non. Moi je suis en série. Série de 20. Par contre, c'est vraiment immonde la stunner. Hein. Spawn back. À droite. Hein. Oh. Je sais pas où ils sont. Ah, il y a un petit dans son garage. Il clame dans son garage, la grosse barre, je sais pas quoi là. Il y en a derrière sur B. Hein. Ah, elle est l'OHP derrière le muret, en dessous de la maison rouge. Ils sont où, putain ? Top rouge, deux top rouge qui campent. À ta droite, ouais. Toujours pas de bisote ? J'ai la machine de guerre, là. Vas-y, gère. Ça va arriver en bas, voiture là, en bas. C'est bon, je l'ai, gros. Garde-la. Garde-la. Ils sont en train de camper, les deux Google. Ok, je suis un brutal. Ça n'a aucun sens, vraiment. Ok, j'ai la machine de guerre. Tu sors la visade, c'est bon. Ouais, j'ai la nuque. C'est n'importe quoi. Hein. Non mais vraiment, la stunner, faut quand même dire la vérité. C'est broken, faut dire ce qui est en fait. Ah ouais. Je suis en train de la monter en or, mais ça n'a aucun sens cette arme. Tiens, ça me rappelle la Titan BO4. C'est bizarre, hein. Pire que la Titan BO4. Hein. Ouais. Où t'avais l'autre là, qui avait la barre transversale en mode opérateur, qui était hyper cheaté aussi. Putain, level 400 en face, mec, il est en train de se faire éclater le cul. Hein. Tu mets les nukes du coup, bah là on commence à refaire la demi. J'ai essayé de faire FFA, frérot, les accueils sont dégueulasses. Enfin, c'est pas les accueils qui sont dégueulasses, mais vas-y, balance. Ouais, ça va venir SK. Je suis en face.
Bon bah nucléaire hein. Ah, GG. Bon oh, voilà. Nucléaire stunner, ça c'est fait. Bon. J'ai la visate encore, je peux enchaîner là. Bon bah les amis, centième nucléaire. Bon je suis pas aussi festif qu'avant parce que voilà quoi. C'est la centième nuque mais... C'est cool, centième nucléaire. Il est l'OHP, derrière le camion. Nice. Si on peut faire durer la game et on prend pas B, ça serait cool. Pas tout de suite. Qu'on fasse durer un peu la game. Ok. Parce qu'à moins que je tape un gros truc là. Je vais le rusher lui. Ah ouais mon pote. Moi j'en ai un impeccable. Ouais, d'accord. Rashtag qui m'a tout pris. Oh putain, on a pris... Pourquoi on a pris B les mecs? Vous avez une vista du coup ou pas? Non, non, non. Pas encore. Ah là là, lui, il met le Predator quoi. Shit. Il est mort. J'ai... Ah, ils ont pris C maintenant. Ça va, ça spawn A. Pas mal de monde A. J'ai peur, je suis aux pompes. Ok, let's go. Putain, y'a moyen de faire un gros truc là, non? Re tout le monde. Toujours pas de visat? Non, mais là j'ai plus besoin de limite, c'est un enfer. Escalier, grand escalier sur gauche. Ah là là, escalier. Machine de guerre. Tout fait. Go faire durer la game, hein. Y a moyen de faire un gros truc. Est-ce que ça spawn? À ta gauche, tu as l'ennemi. Ok, personne. Ah si. Tu disais? HP. Y'a toujours personne qui a une vie sale, là? Non, mais personne m'a filé un coup de main. Je suis mort en 26. Les mecs, ils prennent des lignes quand même. Putain, mais. Oh, mais le mec, il a lagué devant moi, gros. Il m'a tué. C'est bon, ce jeu de merde là. Ouais, ils sont tous de l'autre côté, ils sont sur, sur C. Je vais voir si je peux en choper un ou deux. C'est fait. J'ai bientôt la prochaine visat. Ok, on continue. Sur là-bas ça... ouais, ouais. Sur ce là-bas. Là-bas c'est une position maintenant. Là-bas c'est une position. Bon, j'ai le démon là. Attends, ça commence à devenir risqué là. Oula là, ça, ça approche, attention, ça approche. Ok, let's go, on peut aller de l'autre côté encore. Je sais même pas, on a combien de gun strike là. Mec, je suis en train de les enchaîner, mais tu t'imagines même pas comment. Hein. Moi j'ai la visade. Ça va venir piscine. Ok, j'ai encore la visade pour après. Moi je l'ai aussi. Mec, je suis en train de faire un carnage. Il m'a vu. Putain, je peux faire vraiment.
Reback, backspawn sur C. Ouais. Je vais. Il faut prendre une position, hein. Soit A, soit C, mais tout de suite. Voilà, Mason, tu fais du 7-37, tu m'as tué en 27. Vas-y, je prends C, un petit coup de main, ça serait top. Je t'avoue que. Oh putain, ils ont posé une tourelle sur B. Elle est au top, je vais. On va peut-être recharger un peu. D'accord, je l'ai pas détruit, je sais pas comment ça se passe. J'ai un harp, mais je peux pas le lancer pour le moment. Ah, c'est quoi ça? Putain. Non, t'es sérieux, je viens de mourir. Je viens de mourir. Je sais même pas si j'ai la double, mec. Mec, je sais même pas si j'ai la double. Je crois que je l'ai pas, les mecs. Merde, je crois que j'ai raté la double. Putain, fais chier. Putain. Mais comment il a un hélico d'attaque, lui? 11-40. Ah, on est en train d'exploser depuis tout à l'heure aussi. Je sais même pas, on a tapé combien de scores là en plus. Bon bah, je l'ai fait. Quoi? J'ai la double? Y'a tout le monde qui me dit que j'ai la double. T'en es sûr, Nambi? T'en es sûr? Ouais, mais fuck, moi je vais jouer Stoner moi aussi. Hein. Attends, mais y'a un mec qui est en train de me dire que j'ai. Ils sont en train de tous me dire que j'ai eu la double. T'as la double? Vous êtes sérieux? Attends, on va voir. Si on arrive à quitter le lobby. Double nucléaire. Eh merde. Bah nice. Double nucléaire Stoner. Putain, j'aurais pas cru que j'avais la double. Oh. Putain. J'ai le démon, voilà. Voilà.